J'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous parler d'une story time aujourd'hui et donc je ne ferai pas de commentaires. Je vous laisserai à vous de faire les commentaires pour aider notre sœur qui rencontre cette difficulté-là. Elle est avec nous dans la communauté. Nous allons l'aider au mieux de par vos réactions, de par vos commentaires. Donc, je vous demanderai vraiment d'agir avec authenticité, de réagir avec beaucoup d'amour et mais surtout d'être authentique dans ce que vous allez dire. Alors, pour aller plus loin avec moi, vous allez trouver sur la barre de description mon calendrier pour des coachings privés. Vous avez besoin de me contacter, vous avez besoin que nous allons plus loin, que nous discutons, que nous échangeons. N'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon calendrier en barre de description. Je me ferai l'honneur et le plaisir de discuter avec vous et de vous accompagner, de vous aider au mieux pour résoudre votre problème, avec votre engagement bien sûr, aussi bien pour vos enfants ados, je l'ai déjà dit, n'hésitez pas, prenez rendez-vous et nous verrons comment gérer toutes ces situations qui aujourd'hui sont pas faciles à gérer. Donc nous allons revenir sur cette story time qui concerne l'une des sisters qui est avec nous dans la communauté qui a succombé à une proposition indécente pour sauver son mari, sinon pour aider son mari. Alors restez connectés pour en savoir plus. Je vous dis à tout de suite. Bonjour à nouveau. Alors bienvenue à vous qui venez d'arriver sur cette chaîne. Je vous appelle ici Mendeko, mes sisters. Pourquoi? Parce qu'on ne choisit pas sa famille. Ses amis, on les choisit, mais sa famille, on la choisit pas. Donc, vous êtes pour moi une famille, je ne vous ai pas choisi. C'est Dieu qui a permis, en fait, que nous nous croisons. Et donc, pour moi, vous resterez mes sisters. Sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Donc, interagissons pour aider notre déco aujourd'hui qui est dans cette situation-là. Femme mariée qui a voulu aider son mari, mais en succombant à une proposition indécente. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qu'elle me dit ici, qu'il y avait plusieurs années qu'un homme la courait, lui faisait la cour, et elle n'en avait jamais parlé à son mari parce qu'elle ne trouvait pas opportun, ou elle ne trouvait pas ça important. Pour elle, l'homme ne l'intéressait pas, mais c'était un homme vraiment, on va dire, d'une raison sociale assez bien, quoi, assez bien. Jusqu'à ce que un jour, elle tombe sur une situation de son mari qui l'a laissé sans voix. Et donc, son mari a eu des difficultés financières, des difficultés vraiment très importantes. Et il fallait qu'il honore un engagement qu'il ne pouvait pas différer, qu'il ne pouvait pas, reporter, parce que sinon, ça lui coûterait la prison. Ayant réfléchi, ayant cherché par voies et moyens des solutions, elle n'a pas trouvé. Ce qu'elle fait, elle appelle donc ce monsieur qui depuis toujours lui fait la cour. Le monsieur lui demande de venir à son bureau, ils se rencontrent, donc ils vont comme des personnes matures, ils discutent, ils échangent, elle explique le problème au monsieur désemparé, totalement perdu, ne sachant pas quoi faire, vraiment elle était en larmes. Et le bon monsieur prend le temps d'écouter, lui dit ben, « je comprends ». Donc nous allons appeler cette déco « Caricel ». Donc, le bon monsieur lui dit, Caricelle, je comprends ce que tu vis, c'est ton époux et n'importe quelle femme à ta place aurait fait la même chose. Je comprends ce que tu as comme souci, mais aujourd'hui, vu ce dont tu as besoin, je ne vois pas qui te le donnera. Même si tu vas au niveau de la banque pour faire un emprunt, voulant hypothéquer ce que tu as, ça prendra beaucoup de temps et suite à ce que tu m'expliquais, vu le problème, tu n'as pas assez de temps pour pouvoir réunir toute cette somme dont tu as besoin pour aider ton mari. Donc, je te fais une proposition à toi de voir. Et donc, le monsieur lui fait une proposition indécente. Et ce dont elle avait besoin,
il multiplie fois 3 la somme dont elle avait besoin pour l'aider, ne sachant pas quoi faire. Elle avait vraiment à cœur d'aider son mari. Elle demande au bon monsieur de lui laisser le temps de réfléchir et de l'appeler demain pour lui dire en fait ce que sa réflexion donnerait. Elle n'a pas dormi de la nuit. Elle n'en a pas parlé à son mari, elle n'en a parlé à personne, et donc Caricelle a passé une nuit terrible, en train de penser, en train de pleurer, en train de se poser mille questions. Que puis-je faire? Seigneur, aide-moi, ne sachant pas quoi faire. Si je ne fais rien, dans quelques jours, il va se retrouver en prison. Qu'est-ce que je deviendrai? Comment je vais expliquer ça aux enfants? Donc, par rapport à toutes ces pensées qui tournaient dans sa tête, elle n'a pas dormi de la nuit et le lendemain, elle se décide, elle dit « C'est pas grave, je vais le faire, c'est pour aider mon mari et je crois que Dieu ne m'imputera pas tort par rapport à cela. C'est une aide que je vais apporter à mon mari, je le fais pour l'aider, si je ne le fais pas, je ne pourrai pas m'en sortir. » Donc, elle rappelle le monsieur, ils se voient et ils font ce qu'ils avaient à faire. Le monsieur honore à son engagement comme prévu. Il lui donne le triple de ce dont elle avait besoin. Mais elle a commis cet acte, dit-elle, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amertume dans le cœur, beaucoup de regrets, beaucoup de ressentiments. Mais elle s'est dit, si je peux aider mon mari, avec ça, je le ferai. Et donc, c'est ce qu'elle a eu à faire. Elle a trompé son mari pour l'aider. Elle dit qu'elle a trompé son époux par amour. Elle a trompé son époux pour ne pas le laisser aller en prison. Elle aide son époux à résoudre le problème et le reste de l'argent, elle en fait ce dont elle avait besoin. Elle investit en tout cas, bref. Quelques temps plus tard, son mari, son époux, a pu résoudre le problème, vous l'avez compris. Il a pu résoudre le problème, mais il a posé des questions à sa femme. Il a discuté avec sa femme, il a mis son émotion, il a mis tous ses sentiments, il a voulu que sa femme lui dise la vérité. Il dit, je sais que tu ne pouvais pas avoir cette somme d'argent en peu de temps, quel que soit ce que tu aurais pu faire. J'ai vérifié, tu n'as vendu aucun de nos biens. J'ai vérifié, tu n'as pas pris de crédit en banque. J'ai vérifié, tu n'as pas pris de crédit dans ta boîte où tu travailles. Je veux savoir comment est-ce que tu as fait pour obtenir cette somme d'argent. Elle a essayé de trouver mille et une raisons. À la fin, ne se sentant pas à l'aise avec ce fardeau, elle a avoué à son homme ce qui s'est passé. Elle avoue à son homme qu'elle l'a trompé pour l'aider. Toi, ma sœur qui me regarde, toi, ma sista, qu'aurais-tu fait? Qu'aurais-tu fait à sa place? Est-ce que tu aurais avoué à ton homme ce que tu as eu à faire pour l'aider? Ou tu allais inventer une autre histoire? Je voulais savoir en barre de description si vous pouvez me le dire. Ça aidera notre sista, notre Ndeko qui est dans la communauté, à savoir comment vous aurez agi. Et à vous aussi les hommes, j'aimerais savoir, par rapport à une situation comme ça, ta femme qui te trompe malgré elle te trompe, mais pour elle te dit que c'est par amour pour t'aider, parce qu'elle ne veut pas que tu aies en prison, elle ne veut pas que tu subisses des préjugés, et donc elle se dit elle le fait par amour. Comment est-ce que tu analyseras ça? Comment est-ce que tu le prendras? Est-ce que tu vas la condamner pour ce qu'elle a eu à faire? J'aimerais savoir, vous les hommes, ce que vous ferez, ce que vous en pensez. Moi, je ne donnerai pas de conclusion, je ne donnerai pas mon point de vue par rapport à cela, parce qu'avec elle, nous sommes déjà en coaching, nous sommes en train d'en parler. J'aimerais savoir, vous, comment vous pouvez faire pour l'aider. Et cet homme, donc, au courant de cette histoire, que sa femme l'a trompé pour l'aider, c'est assez chaud en ce moment dans leur foyer, c'est difficile. Et je voudrais vraiment savoir, pour aider au mieux notre Ndeko, ce que vous en pensez. Soyez authentique dans ce que vous allez dire. Tu es arrivé à un point où tu ne sais pas où tu en es, pour vous les femmes. Tu te dis que la seule solution c'est celle-là et tu tombes sur un homme qui te fait la cour depuis plusieurs temps, depuis longtemps. Et tu succombes, pourquoi? Pour aider ton mari, parce que c'est la proposition qu'il te fait. Il ne te donne pas la somme qu'il faut exactement pour aider ton mari, mais il te donne le triple de cela. Est-ce que celui-là, il a agi aussi par amour? Est-ce qu'il agit par ego? Est-ce que, à vous de me dire, les hommes, ce que vous en pensez, et à vous les femmes aussi, qu'est-ce que vous pensez de cela? Vos critiques, vos commentaires, vos conseils aideront énormément notre sista, notre Ndeko qui est dans la communauté pour résoudre ce problème.
ils sont encore en couple, ils sont dans cette maison encore ensemble, en train de voir comment gérer cette situation. Je suis en plein coaching avec elle et donc j'ai vraiment besoin de votre soutien, vos commentaires, je le redis encore, aidant notre sœur à trouver, et d'ailleurs notre frère aussi, parce que étant au courant de ça, vous les hommes, vous savez que ce n'est pas toujours facile d'entendre de votre femme de façon sincère qu'elle vous a trompé. Encore déjà, quand elle ne vous le dit pas, que vous la prenez à l'extérieur, ça fait vraiment un choc, parce que les hommes, vous réagissez à votre manière, ça fait un choc. Mais de là qu'elle te le dise, qu'elle te l'avoue, qu'elle te dise la vérité en te regardant dans les yeux avec sincérité, que je l'ai fait pour toi, que je l'ai fait pour t'aider, je l'ai fait parce que je ne voulais pas que tu ailles en prison, j'allais être mal. Comment tu réagiras face à une telle confession, toi homme? Et toi femme, comment est-ce que tu aurais pu agir? Est-ce que tu allais trouver encore d'autres raisons pour te justifier par rapport à cela, sachant que ton homme est au courant, il a fait ses investigations, il a compris que tu n'as pas pris de crédit en banque, que tu t'es pas endetté dans ta boîte, que tu n'as vendu aucun bien qui vous appartient, aussi bien à elle qu'au couple? Qu'aurais-tu fait, qu'aurais-tu dit par rapport à cette situation? Donc, je vous laisse cela, que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez. Et soyez surtout crédible, soyez courtois dans vos commentaires et dans notre sœur au mieux à trouver une solution suite à ce problème et également à son homme aussi. Les hommes, vous êtes très 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 conviés. Nous attendons vraiment vos réactions, vos commentaires, comment vous agirez face à cette situation, également les femmes. Donc voilà, c'était une story time pour laquelle je vous ai dit que je n'allais pas donner mes conclusions. Je reste en attente de vos commentaires et j'espère que vous serez nombreux à partager cette vidéo et dans notre déco dans la communauté à trouver une solution et à l'aider surtout à ne pas perdre son foyer. Soyez bénis chez vous. C'est votre sœur Mélisandre qui vous aime. Ciao, ciao. À très bientôt.